Donc, à quoi pourrait ressembler Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans 50 ans? Alors, on est parti sur un concours d'idées d'architecture utopique, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas présager de ce qui se fera dans 50 ans et on demande aux architectes de se lâcher, de faire marcher leur imagination, leur créativité et d'être le plus innovant possible. Donc, on espère être surpris et avoir beaucoup de réponses. Sur quel périmètre vont-ils le plancher? Alors, pour nous, c'est le pont de la Concorde qui symbolise vraiment la fusion entre les deux anciennes communes. Et donc, on leur a demandé de travailler sur le pont de la Concorde et chaque côté des rives de la Vie, le quai du Port Fidèle et puis de l'autre côté, le quai des Greniers. Quand est-ce que les habitants pourront découvrir le résultat de leur travail? Alors, une grande exposition de tous les projets va être faite en ville sur le mois de juillet et le mois d'août, de façon à ce qu'ils puissent donner leur avis et voter pour le sujet qui leur plaira le mieux.